première maintenant, tous les attaques. C'est comme ça qu'elle fera la différence. La Cubaine qui fait rien, la Cubaine qui fait rien. Allez, vous accélération, vous passe. C'est possible, hein, c'est possible pour Émilie. Elle peut aller chercher le titre. Elle enchaîne, elle vient. Émilie et à sa doublure. Ah, on l'avait vu s'entraîner. On l'avait vu faire une saison 2015 formidable. Un peu moins bien en 2016. Et là, elle est de retour au plus haut niveau. Ah, je peux vous dire qu'elle va chialer. Hein. Ça, elle va en laisser tomber des larmes. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci, Émilie Ondéol, merci. Bravo, bravo pour ce que tu nous as fait rêver. Bravo pour toute cette journée. Merci à elle, merci à son club, à Champigny, ses entraîneurs, Barbara Arène. Audrey, madame, son ancien président de club, de Champigny, Philippe Sudry, sont tous là. Bravo, Émilie, c'est magnifique, la dernière médaille olympique française, c'était Christine Picot en 1996. C'était il y a 20 ans. Bravo, bravo. Ah, il n'y a pas qu'Émilie qui a pleuré à Rio. Alors, c'est pas fini, il reste encore une séquence émotion.